choisi voyage avec ma famille. L'année prochaine, je ne serai pas là à l'école de Chamigny parce que je serai sur un bateau avec ma famille. On va naviguer de juillet 2012 à juin 2013 pendant 11 mois. La carte du voyage. Notre parcours commencera en Guadeloupe, un département d'outre-mer, une île française. Et moi, je vais en avion, je vais traverser l'océan Atlantique et je vais arriver ici. Donc, ce rectangle, c'est cette carte-là, en plus gros. Le bateau nous attend au port de Pointe-à-Pitre, la plus grande ville de Guadeloupe. Alors, on est ici et on va descendre vers le sud, à Grenade. Parce que eux, les cyclones, ils naissent ici et ils font ça. Ils se déplacent comme ça. Donc nous, on part par là pour les éviter. Arrivé à Grenade, on fait cap à l'ouest vers les îles du Venezuela. Là, on parle espagnol. Donc c'est toutes ces îles-là qui parlent espagnol. À Aruba, on aura une décision à prendre en fonction de la météo et des avis de l'équipage. Soit capte la République dominicaine, 4 jours de traversée, donc soit on part d'Aruba et on arrive ici en République dominicaine. Soit capte sur Cuba, 6 à 7 jours de traversée. Donc soit on part d'Aruba et on arrive ici. Notre destination la plus au nord est un petit pays appelé Turks and Caicos. Turks and Caicos, c'est ici. Et c'est là que mon papa il veut faire la plongée sous-marine avec les requins. Puis cap à l'est pour le retour. Ça va être difficile car le bateau va naviguer contre le vent. On les appelle les alizés. Ils ont toujours la même direction. Donc les alizés, eux, ils vont par là. Et nous, on va revenir par là. Donc le bateau, il va taper contre les vagues. Après 11 mois, on revient en Guadeloupe. On nettoie le bateau, on le rend et on rentre à Paris par avion. Description du bateau. Notre bateau est un catamaran de 12 mètres de long. Un catamaran est un voilier avec deux coques. Donc avec deux coques, on voit bien qu'ici il y a une coque et là il y a la deuxième. À l'avant, entre les coques, il y a un trampoline. On peut marcher dessus et aussi faire la sieste. Mais on est mouillé quand le bateau avance. Donc le trampoline, il est ici. Mais ça, c'est pas pour sauter dessus. À l'arrière, il y a deux escaliers qui descendent à la mer. C'est par là que l'on va se baigner. Donc là, ici, on a deux escaliers. Donc, je saute. Comme ça, c'est plus facile de remonter. Dehors, une terrasse couverte avec une table, c'est le cockpit. Le cockpit, c'est ça, le cockpit. Donc, on est abrité par une espèce de grande capote. Donc, c'est là qu'on peut mieux travailler. À l'intérieur, la pièce principale s'appelle le carré. Donc, le carré, c'est ça. Vous voyez, ici, là, il y a la table à cartes. Avec les GPS, les ordinateurs. Là, il y a la table à manger. Et si on soulève ça, on peut accéder à la cuisine. Dans une coque, il y a la cabine des parents, la douche, les toilettes. Et dans l'autre coque, une cabine pour moi et une autre pour mon frère. Maintenant, je vais vous parler de la vie à bord. Pour l'école, mes parents vont recevoir des cours par la poste. Ce sont eux qui feront la classe. Tous les matins, parce que l'après-midi, il fait trop chaud. Puis tous les deux mois, on doit renvoyer des contrôles par la poste. C'est des maîtres en France qui nous mettent une note. À la fin de l'année, si on a la moyenne, on passe en classe supérieure. Les activités que l'on va faire sur le bateau. Il y a la pêche avec les cannes à pêche et la pêche à la traîne. Donc là, on voit pas très bien, mais là, il y a une planchette, le petit blanc. Et après, là, il y a un leurre et la mitraillette. C'est tous les petits enfants. On peut attraper des thons, des dorades ou des barracudas. Il faut qu'on attrape des poissons pour manger. La chasse sous-marine. Pour aller sous l'eau, on met des palmes, un masque et un tuba et on a un fusil harpon. C'est mon père qui chasse, mais je vais essayer aussi. Voici un fusil harpon. Donc bien sûr, il n'y a aucun risque, il est pas armé. Pour l'armée, on fait comme ça. Moi, je peux même pas, il n'y a que les adultes et ça vient s'enclencher là. Donc quand je tire, tac, ça libère la flèche. Elle va aller se planter dans le poisson et la flèche est retenue par un petit filet. Comme ça, je lâche mon fusil, il flotte à la surface et j'ai plus qu'à aller repêcher mon poisson. Pour la nourriture, c'est principalement des pâtes, du riz pour se caler le ventre, mais aussi du poisson, des légumes, des fruits frais et des boîtes de conserve. C'est ma mère qui fera les yaourts et le pain. Pour l'eau, on boit de l'eau de bouteille et on récupère l'eau de pluie. Sur un bateau, il faut beaucoup économiser l'eau douce. En navigation, on pourra jouer au Lego City, aux jeux de société, fabrication de Scooby-Doo.
Pour finir, la sécurité. Le danger sur un bateau, c'est de tomber à l'eau. C'est pour ça que quand on navigue, on met un gilet de sauvetage. On a un gilet de sauvetage qui se gonfle automatique. Donc, on le met. On a une sous-cutale. Ça évite que le gilet remonte. Donc là, vous voyez, il ne remonte pas. On a une petite lumière. Ici, là, c'est quand on tombe à l'eau, c'est plus facile de se voir. Et on a un sifflet. Et pour que le gilet se gonfle, il y a une cartouche où dedans, il y a de l'air. Quand on tombe, la cartouche se vide et ça envoie de l'air. Et il y a aussi une longe de vie. Voilà, on l'accroche sur le bateau. Donc ça, si jamais, imaginons que je tombe, je suis retenue. Je pars pas au loin dans la mer. Si l'on se blesse ou si on est malade, ma mère a une grosse pharmacie, des agrafes pour recoudre, des piqûres et des médicaments. Et pour finir, on a donné un nom pour notre voyage. C'est la Zénitude Family. Ça veut dire la famille cool qui recherche la zénatitude. On a le drapeau. Et là, il y a mon père, ma mère, moi, Thomas, mon frère et mon petit frère. Si jamais vous voulez voir notre vidéo, vous tapez zenitudefamily.fr. Bah, je tombe. Et chez Amy, imaginons que je tombe. Et ben, je peux très bien me noyer. Et est-ce que vous allez souvent vous arrêter à terre? À terre, Oh oui, on s'arrêtera à plusieurs îles. En Guadeloupe, Dominique, la Martinique, Sainte-Lucie. On s'arrêtera partout. Et sauf là, on aura une grande traversée. De ici, soit ici, soit ici, là-bas. Le bateau il avance à jour et nuit. Dans un port ou... On est en port que en Guadeloupe. En Guadeloupe, après sinon on est tout le temps attaché à une bouée ou à l'ancre. D'accord. Eva? C'est vous qui avez touché les casques? Oui. Avec ça. Ça, on plonge dans l'eau et on tue les poissons avec ça. Donc on peut pêcher une dorade coryphène. Je ne vous l'ai pas dit, mais la dorade coryphène, elle m'arrive ici. Elodie ? Quand on se baigne dans l'eau, qu'on tourne du bateau, on peut remonter ou on ne peut pas remonter ? Bah, si le bateau avance, on aura du mal à remonter, donc c'est pour ça qu'on a une longe de vie. Et aussi un gilet de sauvetage. Mais si jamais c'est pour se baigner, comme je t'ai expliqué, on a des marches. Mais sous l'eau, il y a encore d'autres marches.